Derrière. On contrôle, comme des ailes, mais doucement. Stop! Ce sont des enfants cette année qui sont hyper tranquilles, hyper sympas, et le petit groupe, ça aide d'autant plus. Et après, bah, l'école, c'est toujours en mouvement, la pédagogie, c'est pareil, donc c'est ce qui est chouette, c'est ce qui est chouette ici, quoi. Donc voilà, moi, je suis très contente d'être là. Allez, vas-y, mon grand. Le S. Regarde bien l'ardoise, regarde bien l'ardoise. Je la mets là. J'ai toujours adoré travailler à l'école maternelle. Donc, c'est un mode de fonctionnement qui est assez particulier, l'école maternelle. Et voilà, donc ça fait 4 ans que j'ai maintenant ma classe de moyenne section. Et les voir, en fait, devenir autonomes et gagner en confiance, eh bien, voilà, c'est ce qui me motive tous les jours pour venir à l'école. Moi, j'ai aimé cette école pour toujours. J'ai aimé cette école pour toujours et je ne veux jamais m'en aller. Merci. J'espère que les enfants, ils sont les plus importants pour Ça va très bien. Moi, j'aime cette école et en fait, la décoration de Keltoum, j'adore. Et c'est la première fois que je fais Keltoum. Alors, tu relis au S et après, tu cherches la lettre S. Voilà, relis d'abord. Ce qui m'intéresse justement, c'est de voir évoluer les enfants. Et surtout par rapport à ce qu'ils étaient en début d'année scolaire. Il y en a qui ont toujours des difficultés en découpage. Mais dans l'ensemble, voilà, ils sont... aller vers la lecture, des activités de lecture, et on voit qu'ils progressent. Et donc, mon but à moi est de les accompagner pour qu'ils appréhendent le CP dans les meilleures conditions qui soient. Et pour moi, c'est mon objectif principal, et qu'ils soient heureux aussi. Doucement, doucement. On se met autour sans bruit. Je vais prendre la petite serviette. Doucement. On va prendre le papa. Ils sont vraiment motivés, hein, les enfants avec les animaux. Ils ont envie de leur donner à manger. Ils ont envie de les prendre, de les caresser. Je trouve que c'est un petit plus. On a fait tout un projet pédagogique autour. Ils les ont dessinés. On les a pris en photo. Ce sont les escargots de Jeannette. Il faut que tu lui demandes. Alors, va lui demander si elle te prête les escargots jusqu'à demain. J'aime beaucoup cette école. On fait plein de choses. Moi, personnellement aussi, j'aime faire profiter les enfants un petit peu de mon parcours, de mes expériences à l'étranger. Voilà, c'est de toute façon un métier que j'aime beaucoup faire, justement, pour partager, voilà, surtout avec les petits-enfants de maternelle. C'est vraiment mon domaine de prédilection. École Keltoum, un projet pédagogique nouveau sur Tanger, un projet fort avec la reprise, on va dire, des fondamentaux du bilinguisme, à savoir une école qui propose le français de l'école française et l'arabe de l'école marocaine. Donc une école authentiquement marocaine et parfaitement francophone. En tant que directrice, le plus important pour moi, c'est l'épanouissement des enfants. Qu'ils soient heureux, qu'ils aient des copains, des copines, qu'ils viennent contents le matin. Après, évidemment, nous avons besoin de règles. Il faut qu'ils soient là à l'heure, il faut qu'ils obéissent, il faut qu'ils lèvent la main pour parler. Mais les notes, les bulletins, c'est secondaire. Le plus important, c'est qu'ils soient heureux et qu'ils soient au maximum de leur capacité, chacun la sienne, chacun son rythme. Oui, alors, c'est bien, mais il faut lever le doigt quand même. Chemise, je suis une... Chemise. Je suis un vêtement qui se
vache dans la liste de ta fiche de son. J'aime bien mes amis et la maîtresse, les cours qu'ils nous donnent. Je me sens bien parce que les maîtres et les maîtresses, ils sont gentils avec nous. Et j'aime parce que... j'aime tout. Moi, j'aime le français, les maths. Et bientôt, je vais aimer l'espagnol. J'aime bien les maths. J'aime beaucoup les maths. J'aime mon école beaucoup parce que j'apprends plein de choses et je me fais des amis. Bien. Bien. Très bien. Qu'est-ce que c'est que la réussite scolaire ? C'est pas forcément avoir des bonnes notes. C'est réussir à s'épanouir pour un enfant, que ce soit au travers des activités scolaire, académique, entre guillemets, mais aussi à travers son rôle d'élève au sein de la classe. Je pense que l'école, c'est un endroit où on apprend à être épanoui. On arrive sur le logiciel GeoGebra, qui est un logiciel de géométrie. C'est eux qui ont manipulé et ils ont appris par eux-mêmes, sans la maîtresse. J'ai juste mis la clé qui démarre. Après, c'est eux qui ont pris le volant, qui ont pris les manettes. Donc, ils sont allés sur le logiciel, j'ai dit, allez-y, manipulez. Je suis une ancienne maîtresse de 25 ans, j'ai 25 ans de carrière. Donc, j'ai essayé, j'ai testé, j'ai approuvé. Voilà, c'est expérimental, hein. Il n'y a pas de pédagogie miracle, magique. Et puis, il faut apprendre à connaître les enfants aussi. Il y a des enfants qui sont plus à l'aise sur certaines choses que d'autres, tout simplement. C'est ma première année dans cette école. Avant de venir, j'étais un peu stressée, mais maintenant tout va bien. J'aime bien cette école, de son physique et de comment elle est construite, parce que c'est un ancien palais. Et aussi, dans cette école, j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas avant. Et aussi pour les maîtres et maîtresses, je les aime bien, parce qu'ils sont gentils et parfois ils sont drôles. Pour les sciences, franchement, j'aime beaucoup la maîtresse parce qu'elle nous dit beaucoup de trucs intéressants. J'aime vraiment mon école car elle est très grande, elle est très belle. Et les enseignants, ils sont vraiment trop gentils avec nous. Et je fais beaucoup de sport à l'aide de notre charmant professeur. Numéro 2. Alors, Rania, déjà, ici, tu peux mettre la date et écrire dictée 14, il me reste de la place. On a là, et pour là-bas, c'est le même là. Les enfants ici et là. Vous êtes des élèves toujours gentils, et que vous avez toujours envie d'apprendre, vous posez toujours des questions. Donc vous êtes toujours intéressés. Je suis très contente avec ma classe de CM1. Ils ont tous une grande envie d'apprendre. Ils sont toujours motivés, on rigole, il y a une bonne attitude dans le groupe. Donc moi, je suis très contente, très fière de ma classe. J'aime même nos maîtresses parce qu'on travaille bien et je comprends beaucoup des choses qu'ils nous expliquent. Je progresse avec toute la classe, en fait. Je me suis beaucoup améliorée du début de l'année jusqu'à maintenant. Je suis une nouvelle dans cette école, alors... j'adore mes maîtresses, mes amis et tout le monde est gentil. J'ai des bonnes maîtresses et ils expliquent très bien et je comprends très bien. Et dans la récréation, je joue avec tous mes amis et il y a beaucoup de coins. Un coin lecture, des coins pour dessiner et beaucoup d'autres coins. Et je m'amuse très bien dans cette école, j'aimerais bien rester toute ma vie. Tu passes par là, tu lui dis que c'est pour la crèche de Tanger, elle comprendra, c'est le dernier jouet, d'accord ? En EMC, éducation morale et civique, depuis l'année dernière avec les enfants qui sont derrière moi, on travaille la solidarité, la thématique. Et cette année, on a eu la chance d'être en contact avec la crèche de Tanger, qui est un orphelinat. On a travaillé sur cette thématique. Et nous avons décidé ensemble de créer un lien entre les enfants qui ont moins de chance ici à Tanger. Et chacun a ramené un jouet de la maison qui lui appartient.
Et le but était de créer le lien en faisant une communication par vidéo. Et donc en vidéo, ils se sont présentés et ont présenté leurs jouets qu'ils offrent. On a de bonnes valeurs, je pense. Et les enfants, alors là, faut pas que je leur dise, mais bon, je les aime quand même pas mal beaucoup. Hein, donc, et c'est un plaisir d'être avec eux au quotidien. En plus, on est dans, je pense, une super équipe avec une très bonne ambiance. Et vraiment, pour le moment, on est bien. L'école Keltoum, on y est bien. La maîtresse, elle est gentille. Si son humeur, elle est si elle est fâchée, il ne faut pas l'énerver. Et ça n'est jamais arrivé qu'on apprend une leçon sans qu'elle nous fait rire, des blagues pour qu'on apprend bien. Et ça fait seulement 2 ans que je suis là et je trouve que cette école est vraiment très, très merveilleuse et je l'aime beaucoup. Et j'adore cette école parce qu'elle a plein de choses. Elle a tout. Il y a aussi une salle de motricité pour faire des choses amusantes et faire des spectacles. Cette école est vraiment parfaite et c'est la meilleure école que j'ai jamais vue. Mon rêve, c'est de devenir un cardiologue et c'est grâce à cette école que je vais réussir. Oh, 3000. Qu'est-ce qu'on met dans la colonne des centimètres? 0. 0, super. Tu marques le 0. Là, du coup, le décimètre, on met de quoi? Exactement, le 0. Ma pédagogie, c'est avec ma formation du Canada. Donc, c'est une formation qui est beaucoup au niveau du ludique, dans le jeu, dans la participation. Et j'aime beaucoup les nouvelles technologies, comme le tableau interactif. Et je fais beaucoup participer les enfants. Voilà. J'aime bien maîtresse enseignante, c'est une excellente maîtresse. J'aime beaucoup maîtresse enseignante parce qu'elle nous donne beaucoup de défis à faire et elle ne nous ennuie jamais. J'aime bien cette école, c'est la meilleure école du monde que j'ai jamais vue. Et j'adore la maîtresse enseignante parce qu'elle est très belle et elle est très charmante. Il y a des indignés, des indigents, des déjantés, des commerçants. Il y a des gens gays, des sergents. Ce qui est extrêmement plaisant dans cette école et qui me ravit, c'est toute la bienveillance autour des élèves, de la part des enseignants, de la part de la direction, où nous n'hésitons pas, voilà, à recevoir les familles qui nous le demandent ou dont les enseignants nous disent, voilà, il faudrait recevoir telle famille pour n'importe quel problème. On prend le temps, on s'assoit dans le bureau et on discute avec les parents et tout se passe généralement très bien. Izara, 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 Izara. ازرع خضرا او ازهار في الشرفه او سطح الدار لام ايدان كي حتى لام تاني لام انا كل اللي كنتمناه ان التلاميذ ديالنا يكونوا دائما موفقين ان شاء الله. كنحاولوا نقدموا لهم دائما الشيء اللي هو صالح ديالهم، الاشياء اللي هي تخدمهم. كنحاولوا ما امكن نعطيهم موارد مهمه اللي غادي تمشي معاهم في المستقبل، موارد اللي عتكون مكتسبات كتهمهم بزاف واللي عيشوفوها دائما في السنوات المقبله. وهنا كنبقى الحمد لله، الله يوفقنا جميعا والتوفيق من الله. شكرا جزيلا. Which season is this? Which season? Gita? Good girl. Everyone. Mando. What I find so interesting about the school is that how children can switch between languages so quickly. I can be teaching English and then the Arabic teacher comes along and teaches classical Arabic and the students are fine. And then the Arabic teacher leaves and the French teacher starts. So it's really interesting how they can switch between languages. Une œuvre. C'est beau, c'est pas beau, ça c'est complètement subjectif. C'est-à-dire que ça dépend des goûts, mais voilà, de chacun. Qu'on travaille, c'est comment vous vous sentez à l'école Keltoum, d'accord? J'ai le sentiment réellement que les professeurs viennent avec le sourire et sont contents d'être là, et les enfants aussi, malgré les circonstances actuelles, parce qu'on est quand même en pleine pandémie mondiale. Il y a une belle joie de vivre, aussi bien chez les adultes que chez les enfants.
un projet qui plaît beaucoup et qui m'a plu également, et dans lequel on a une équipe formidable, professionnelle, attentive, bienveillante, et qui fait que ce projet est une réussite, en tout cas pour ma part. On a essayé de créer en fait, une école qui mixe un peu les deux systèmes, qui prend le meilleur du système français, mais aussi du meilleur du système marocain. Donc, avec l'objectif de former des élèves qui aient des racines, qu'ils savent qui ils sont, et aussi qu'on leur donne des ailes pour aller, pour pouvoir s'envoler là où ils veulent. Intéressante, artistique, familiale, éducative, la paix, privée, sportive, justice, francophonie, apprentissage.